Haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité en français. Pour ceux qui connaissent pas l'anglais, comment ça va bien tout le monde? J'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, je suis très très heureux de vous retrouver. Alors, chaud patate, hein. C'est peu dire que, comme il y en a, ils disent, hein. C'est peu dire chaud patate. Quelle chaleur, mais quelle chaleur du jamais vu, hein. Je pense que vous me direz en commentaire, hein, du jamais vu cette chaleur. C'est chaud, hein. C'est dur de dormir, c'est dur d'avancer, c'est dur de positiver. Sauf avec Fred du Lac 113, vous avez vu la musique, hein, Height Fidelity, c'est la musique positive, ça. Ça donne la patate. Ça, c'est chaud patate. Même si on est moins un peu de pluie, ça ferait du bien. Bon, comment ça va bien tout le monde? Nouvelle vidéo, nouvelle petite vidéo, plusieurs tirages. On va parler du temps, bien sûr, aujourd'hui. Pas de surprise, hein. On va parler du temps. La chaleur va continuer, la pluie arrive, les orages, peut-être des catastrophes. On va voir, on va voir. On n'espère pas avec Fred du Lac 113. Là, on positif, positive. Ou positif, du positif en tout cas, c'est mieux comme ça, du positif avec Fred du Lac 73. Bon, merci, merci, merci à tous. De plus en plus de demandes, de plus en plus d'attentes, enfin d'attentes, d'attentes dans les réponses, c'est normal. Je vais commencer par ça. Alors déjà, quand vous me contactez, je voulais vous dire un mot, quand vous me contactez, merci s'il vous plaît à tous, je vous le demande, de me donner les mêmes pseudos que vous avez sur Internet, sur les réseaux. Et de bien me donner, au pire des cas, au mieux des cas, votre prénom et votre nom, puisqu'il y a certaines personnes qui me contactent et qui me donnent ni leur prénom, ni leur nom, ou alors qui me donnent juste leur prénom. Par exemple, des maris, j'en ai des centaines. Donc voilà, moi je mets du temps après à retrouver les personnes. Mettez-moi bien votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre pseudo sur Internet, votre pseudo des réseaux. Comme ça, moi, je mets moins de temps à vous retrouver. C'est pas facile pour moi. Hein. Quand vous mettez votre prénom Marie, il y en a qui ne mettent rien. Alors, c'est encore plus difficile. C'est encore moins facile. Et il y en a d'autres qui mettent leur prénom. Marie, j'en ai des centaines. Des Sylvie, j'en ai des centaines. Des Elodie, j'en ai des centaines. Vous voyez, après, bon, il y a des prénoms que, voilà, il y en a un peu moins. Mais mettez-moi bien, je voulais pas vous passer ce message, mettez-moi bien votre prénom, votre nom, votre pseudo sur des réseaux. Bon, après, je vous retrouve avec la situation, parce que bon, bah, je me rappelle un peu de tout le monde, même si c'est même si c'est un peu compliqué. Je vous retrouve, mais ça me prend du temps, voilà, c'est du temps de perdu, je trouve ça dommage. Voilà, le message est passé, en tout cas, voilà. Bon, le téléphone est là, je vais vous le donner bientôt. Je finis de répondre à tous. Je finis de répondre à tous vos mails, bien entendu. Et surtout, surtout, ce que je voulais vous dire, merci de patienter. Je m'occupe principalement cette semaine, et bon, ça va durer encore quelques jours. Je fais en priorité ceux qui ont besoin de moi pour la santé. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je peux pas vous dire, voilà, tous les messages que je reçois. Beaucoup de personnes sont en galère, au niveau de la santé. Alors j'espère que tout le monde comprendront, que tout le monde va comprendre que la santé, ceux qui ont des problèmes de santé, passent en priorité. Quand on a le cancer, quand on a des problèmes musculaires, quand on a des problèmes aux yeux, à la tête, aux bras, au dos ou autres, eh bien, je m'occupe d'eux en priorité. Je vous ai dit, hein, dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que je m'orientais là en ce moment plus vers l'aide à la guérison. C'est marqué guérisseur, hein, mais voilà. Je passe un petit coucou en même temps à mon ami Étienne de Guadeloupe. Il va rigoler, Étienne de Guadeloupe qui m'a fait cette belle pancarte. Merci, hein. Guérisseur, oui, j'aime pas trop ce mot, j'aide à la guérison, bien entendu. Voilà, et je fais ça de plus en plus, c'est normal, ça fonctionne, donc je fais ça en priorité. Après, la santé, je fais aussi beaucoup, enfin, quelques demandes aussi au niveau des animaux, les chats qui sont partis, les chiens, voilà, pareil, qui ont fugué, j'essaie d'aider. Et voilà, les faire revenir. En tout cas, ça fonctionne parfois, ça fonctionne souvent. Et voilà, avec vous, hein, ça part toujours de vous. Très important, les pensées positives. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. On va faire tout de suite après un tirage. Le téléphone, j'en ai parlé, je l'ai, mais je vous le donnerai un peu plus tard parce que je finis de répondre à tous. Et puis voilà, on est tranquille, on est tranquille. Vous avez vu le message que je vous ai mis?
Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Toujours dans l'amour, hein, voilà, faut être heureux, faut toujours donner de la joie, tous les sentiments positifs. Quelle que soit votre situation, si vous êtes négatif, si vous avez du négatif, si vous parlez négativement, eh bien, vous n'aurez pas de joie, vous n'aurez pas ces sentiments-là d'être heureux, de rendre heureux les autres, et vous n'avancerez plus du tout. Ça sert à rien d'être négatif. De toute façon, la vie est comme ça. Il faut continuer d'avancer toujours, toujours, toujours. Positiver, les pensées sont très, très importantes. Je vous le redis encore une fois, une dernière fois, pour cette vidéo, je le dirai dans toutes les vidéos, car c'est très important. Toujours penser positivement. On laisse le passé négatif, on pense positivement. Voilà, tout simplement, hein. C'est simple, mais c'est pas si simple dans les actes. Toujours, voilà, quand vous avez une pensée négative qui arrive, il faut essayer de couper ça tout de suite et de penser à autre chose que la pensée négative qui arrive pour vous rendre heureux et pour rendre heureux les autres, bien entendu. Voilà. Allez, avant de passer un petit coucou à Julien et Natural Mystic Shop, je vais faire les cartes. Donc j'ai mis le colibri ici avec l'oracle, hein. L'oracle, ben, je me rappelle plus, l'oracle des animaux, je me rappelle plus le nom de l'oracle, parce qu'en fait, beaucoup m'envoient des oracles, et à chaque fois je veux changer, et à chaque fois j'y arrive pas, enfin c'est comme ça, c'est peu importe, je changerai plus tard. Regardez le colibri, hein, Pierre Rabhi, bien sûr, le colibri, chacun fait sa part, et là il y a besoin, on pense à tous les pompiers, toutes les personnes qui sont dans les feux de forêt, dans le sud et autres, dans le sud-ouest. C'est chaud, hein, c'est chaud patate, le colibri, chacun doit faire sa part, chacun doit aider. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite carte. Aide à profiter de l'instant présent. Joie, légèreté, ouverture du cœur. Exactement, ouverture du cœur avec le colibri. Pierre Rabhi qui nous regarde de là-haut. Et voilà, il y en a d'autres qui ont pris le relais, et tant mieux. Allez, je vous ai mis quoi là? Fin de cycle. La fin d'un cycle, je sais pas, j'avais envie, j'avais voilà, la fin d'un cycle, faut toujours changer de cycle. On reste pas dans le même cycle, on a plusieurs cycles. Alors, il y a des hauts, des bas. En tout cas, tout évolue avec le temps, avec les pensées, avec les actes. C'est pour ça que j'ai mis cette carte fin de cycle. Donc c'est l'oracle Médéor, hein, le nouvel oracle que je vais me servir aujourd'hui. Donc fin de cycle, je trouvais cette carte assez parlante. Parce qu'on change tous de cycle à un moment donné. On change de cycle, à la fin d'un cycle, le début d'un autre. Voilà, on naît, on meurt, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est le cycle de la vie. Et la fin d'un cycle montre que là, nous allons rentrer dans un nouveau cycle bientôt. Allez, pour l'oracle Médéor, nouvel oracle. Bon, l'oracle bleu, hein, que je présenterai plus, vous savez maintenant, j'ai mis la nuit, hein, pas belle carte, pas une carte qui est trop positive en elle-même, sauf que là la nuit, voilà, j'ai trouvé ça la nuit quand même positif parce que avec cette chaleur, avec le soleil, on en a marre, on en a marre, on en a tous marre du soleil, on a nous ma tous marre de cette chaleur, même si c'est bien la chaleur, c'est toujours positif, l'énergie solaire. Là, c'est quand même trop, 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 et quand c'est trop, c'est trop picot, quand c'est trop chaud patate. La nuit, voilà, ça va nous faire du bien la nuit. Hop, un peu de nuit dans ce monde de brut, ce monde d'âme évolué chez Fred du Lac 73. Voilà. Allez, un petit coucou à Julien avant de passer au tirage. J'ai changé, hein, donc toujours le lapis-lazuli ici à droite, l'orgone qui est là. Hein, je ne vais pas vous la montrer. Par contre, j'ai changé et j'ai mis aujourd'hui l'orgone pyramide céleste ange améthyste. Alors, celle-là est superbe. Ange améthyste. Alors, ils ont mis ange améthyste. Améthyste. Bon, l'améthyste, c'est une pierre, hein, bien sûr. Hop, j'aimerais bien vous faire voir l'ange qu'il y a dedans, parce que c'est quand même assez fantastique. Là, on voit bien, pas. Bon, le mieux de toute façon est de l'acheter et que vous l'ayez chez vous, comme ça vous la verrez de plus près. Oui, regardez l'ange, regardez, on le voit bien là. Waouh, magnifique, avec l'améthyste au milieu. Waouh, regardez ça, l'ange, le petit ange. Vous avez vu les anges, ils sont toujours proches de nous, proches du Fred du Lac 73, proche de vous, regardez l'ange. Super beau, hein. Ils ont mis l'ange dedans. Regardez, c'est fantastique, fabuleux. Donc, je fais un petit coucou à mon partenaire Julien Natural Mystic Shop. Vous aurez 15%, vous savez, hein, 15% sur deux articles achetés. Donc, celle-là, je l'ai choisie parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur l'amour, les sentiments amoureux, le retour. Voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon couple? Est-ce que je vais faire une rencontre? Tout ça. Voilà, donc l'améthyste, hein, spécialement.
une pierre hein, qui aide à la connexion, l'amour, hein, bien évidemment. Amplificateur du rayonnement, la cristal de roche aussi qui est dedans. Je pense que c'est l'ange qui est fait en cristal de roche. Bon, vous l'avez vu. En tout cas, votre ange vous aide déjà tous les jours. Et cet orgone vous aide dans l'amour. Voilà, avec l'améthyste couleur violette, les couleurs rejettent des ondes positives. Quand vous êtes mal, ne vous habillez, quand vous n'êtes pas trop bien, ne vous habillez pas en noir, habillez-vous en couleur, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà, regardez, améthyste, voilà pour l'orgone. Hein. Donc ça, c'est pour le cœur, je vais la laisser où? Là, sur le côté, est-ce qu'on la voit? Oui, impeccable, voilà, je vais la laisser là. Donc c'était l'améthyste, hein, bien sûr, connexion à l'univers, idéal pour, ah, pour, j'ai oublié, bien sûr, idéal pour faire des prières, l'améthyste aussi. Voilà, pour tous ceux qui prient, l'améthyste, c'est très très bon, ça décuple le taux vibratoire et ça augmente la prière. Déjà, la prière en elle-même, c'est déjà, voilà, c'est déjà costaud. Et l'améthyste, ça décuple. Bien entendu, j'allais oublier, dis donc. J'allais oublier Fred du Lac 73. Voilà, elle est belle en tout cas. Vous pouvez retrouver ça sur le site Natural Mystic Shop. Et pour finir, je vous ai mis, hein, je vous en parle souvent, des pendentifs. Le pendentif est très important. Moi, je l'ai toujours sur moi, j'en change. Moi, j'ai de la tourmaline, souvent, pour me protéger de toutes les âmes basses et négatives qui viennent vers moi. C'est pas vous, hein, c'est ceux qui sont entre les deux mondes qui me font des manifestations. Peu importe. J'ai choisi celle-là pour vous. Alors, je vais essayer qu'on la voie bien. Elle est de couleur violine, un peu, hein, violet, tout ça, violine, avec ce magnifique, je vous l'avais déjà montré, le magnifique cuivre. Voilà, regardez la forme, magnifique cuivre. Hop, ça, voilà, violine. Donc, celle-là que je me rappelle, c'est le pendentif Thor, grenat allemandin. Voilà, et ça aussi, énergie du cœur. Énergie du cœur, donc ce pendentif vous aidera au niveau du cœur, de vos sentiments, ceux qui ont beaucoup de sentiments. Vous portez ça, ça va canaliser un peu les sentiments, ça va vous calmer. Ça vous aidera vraiment au niveau des sentiments du cœur. Ceux qui n'ont pas de sentiments, il y en a un qui n'ont pas de sentiments, ça existe. Mettez ce pendentif. Céleste, non, c'est pas céleste, c'est Thor. Je confonds avec l'orgone. C'est le pendentif Thor, grenat allemandin. Vous irez sur leur site. Hein. C'est vraiment concentré pour tout ce qui est problème de cœur, tout ce qui est problème avec les sentiments au niveau du cœur. Vous avez du mal à aller vers les autres au niveau du cœur. Vous avez des problèmes, des conflits avec d'autres personnes au niveau du cœur. Voilà, vous recherchez l'amour au niveau du cœur. Vous l'avez compris, c'est un super pendentif. Ça vient de Natural Mystic Shop. Je vais la laisser sur le côté aussi. Et ça vous aide au niveau du cœur. Je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. Voilà, on la voit bien. Un peu pas trop, mais de toute façon, allez sur leur site Natural Mystic Shop. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. D'accord? Allez, on continue tranquillement. Donc le temps, hein, le temps, le temps, le temps. L'oracle bleu, je demande aux anges et aux guides de protéger les tirages, de me protéger moi, bien sûr, et de répondre aux questions précisément. Merci, 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 oracle des Médéors. Quelques personnes m'ont dit, moi aussi j'utilise l'oracle des Médéors et je le trouve super bien. Eh bien, vous avez bien raison, parce que moi aussi maintenant je l'utilise. Peu importe l'oracle que vous utilisez, l'important est de vous concentrer et de faire ça avec amour. On ne rigole jamais. Vous savez que Fred du Lac 113, j'aime bien un peu rigoler, j'aime bien un peu déconner. Je suis là pour amener du positif, mais je suis très très doué, on dit, hein, ça c'est vous qui le dites, très très fort au niveau des prédictions. Tout ça, donc même si je rigole, on fait toujours ça avec amour et toujours ça dans le bon sens, pour aider, toujours aider les autres, d'accord? Et on finira avec la carte tout à l'heure. Avec deux cartes de l'oracle chamanisme. Voilà, on finira comme ça à la fin, tout à l'heure. D'accord? Voilà, je les ai mélangés, ils sont bien. Tout le monde est bien, tout le monde est nickel, impeccable. Allez, on va commencer. On fera quelques cartes des autres oracles. Je vais faire avec l'oracle des Médéors. Je vais les mettre dessus, tiens. On va prendre moins de place. Oh, la Vierge miraculeuse, hein. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des problèmes de santé,
de faire appel à la Vierge miraculeuse qui est ici. Hop, la Vierge miraculeuse, regardez ça. Voilà, toujours proche. Ici, voilà. Allez, donc, j'ai dit qu'on allait parler de quoi aujourd'hui au niveau des tirages, niveau tirage. Tirage météo. Donc, est-ce que la chaleur va continuer? La pluie? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes à venir? On va voir ce que nous disent les anges et les guides par rapport avec les cartes. Donc, au niveau de la météo, là, pour la suite du mois d'août, on est parti. Qu'est-ce que nous disent les anges et les guides? On est parti avec l'oracle des Médéors. La coupe, vous avez l'habitude, chez Fred du Lac 113, c'est comme ça, on regarde ce qu'il y a dessous, toujours. Et on a mauvais œil, jalousie. Ça montre que, vous avez vu un peu, les orages arrivent. Hop, mauvais œil, jalousie, regardez l'œil qui est là. C'est un peu comme un orage, hein, comme les éclairs, les orages arrivent. Déjà, première carte, premier avertissement. Les orages arrivent, donc, chaud patate, tous aux abris. On va voir ce qu'ils nous disent après, il n'y a rien de marrant. Parce que moi, je ressens déjà depuis le départ beaucoup d'orages qui arrivent. Et là, message à venir aujourd'hui. Oh, message à venir aujourd'hui. Ça, c'est un message à venir, donc. C'est que les orages arrivent. Voilà, première indication, les orages arrivent. La chaleur va peut-être s'atténuer. En tout cas, on va voir. On a des réponses qui tardent pour la coupe. Des réponses qui tardent. Voilà, donc au niveau du temps. Tout le monde attend que le temps change, que la pluie arrive. Donc ça tarde, il fait chaud, la terre n'en peut plus, les animaux aussi, nous aussi on n'en peut plus. Retombée positive, donc le temps va changer quand même. Voilà, c'est ce que ça montre là dans la coupe. Allez, on va faire tirage de la pyramide que vous aimez bien. En tout cas, première indication, les orages arrivent partout avec une continuité quand même de la chaleur. Hein. Encore. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent. Allez, hop, on va faire tirage de la pyramide avec les cartes. J'aime bien, moi, le tirage de la pyramide. Je vous conseille de faire ça pour ceux qui tirent les cartes. Ça montre déjà une base après une évolution avec deux cartes. Et la réponse à la question qui est là. Alors, hop, je vais monter un peu. Voilà, je vais faire comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, hop. Hop, la table est grande, mais il y a moins en moins de place. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a moins en moins de place. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est bien. Donc, la météo à venir au mois d'août. Hop, la base, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les anges et les guides? Grosse avancée karmique. Ah, grosse avancée karmique. Ça commence déjà fort avec grosse avancée karmique. Ça veut dire que, attention à ce que l'humain fait. Attention à nos pensées, attention à nos actes, pas nous, mais certaines personnes qui veulent diriger, qui dirigent. Il faut toujours diriger, avancer dans le positif, sinon on a le karma qui est là. Et le karma arrive à un moment donné, première indication, donc c'est karmique. Pas bien bon signe, hein. On ne fait pas attention à ce qu'on fait, et après on a le karma qui arrive. C'est pas bon signe pour la base. Croiser des chemins. On est à la croisée des chemins, exactement, très beau message, à la croisée des chemins, c'est l'oracle Médéor, hein, des Médéors, que j'utilise là. Croisée des chemins, donc c'est karmique, la croisée des chemins, ça veut dire que là, on n'a plus le choix, hein. Là c'est où on prend la direction à gauche, ou on prend la direction à droite. Il va falloir que tout le monde se mette au taquet, que tout le monde prenne en compte la situation, parce que la météo c'est de pire en pire, on n'en peut plus. Et si les dirigeants, nous, bon, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais les dirigeants, eux, peuvent. Il faut qu'ils prennent des décisions qui aillent dans le bon sens, voilà, pour le temps, pour les êtres vivants, en général, sur la planète. Et on finit avec la vie antérieure. Ah, c'est quand même des messages spécifiques, hein. Vie antérieure, on nous parle de karma, on nous parle de croisée de chemin, et on nous parle de vie antérieure. Donc tous nos actes, hein, tous nos actes, toutes nos pensées sont toujours liées par rapport à ce qu'on a fait avant. Et ça va modifier le présent, ça va modifier le futur. Donc attention, tout ce qu'on fait au présent, tout ce qu'on a fait dans le passé, va modifier les chemins. C'est le message, hein, vous l'avez compris le message? Voilà, c'est vraiment le message. Donc les décisions que nous allons prendre, que les décideurs vont prendre en ce moment, eh bien, ça va jouer sur le futur. Donc, prenez des bonnes décisions, sinon ça va être encore plus chaud patate dans les jours, dans les mois, dans les années à venir.
Allez, on continue. Je vais faire encore une ou deux cartes, voir si ça nous parle toujours du futur, du passé. Oh, chakra de la gorge. Regardez cette carte. Avec un beau wow. Ça fait du bien. Chakra de la gorge. Ouh, ça monte. Attention. Hein. Ça, c'est un message. Ça montre que, attention, par rapport au temps, par rapport à tout ce qu'on nous montre ici, les êtres humains. Les êtres vivants vont être touchés le chakra de la gorge, ça veut dire que c'est le corps humain, hein, c'est la gorge, c'est capital, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, chakra de la gorge, très belle carte, hein, je n'avais pas trop vu cette carte-là, elle est belle. Elle est belle. Allez, encore une pour la base. La famille, les proches, avec le soleil, hein. Vous avez vu le soleil qui chauffe là, la famille, les proches. Un autre message qui veulent passer aussi là pour ce tirage, la chaleur, hein, le soleil, tout ça, c'est lié aussi avec nos pensées, nos comportements, nos relations avec les proches, avec la famille. Plus on a de tension, plus on a de négatif, eh bien, plus il va avoir de la chaleur. Tout est lié, tout est onde. La terre est liée avec les humains sont liés avec les animaux sont liés avec la planète, tout est lié avec la faune, la flore, les arbres, les plantes. Et regardez, hein, ça nous montre bien, regardez cette carte, c'est pas pour rien. Hein. Je le dis souvent hein, dans les oracles, ceux qui tirent les cartes, il y a la description de la carte, il y a les mots, mais il y a aussi très important le dessin qu'il y a sur la carte. Voilà, la chaleur du soleil, vous voyez, là on la voit bien, hein, liée avec la famille et les proches. Donc plus on va être en conflit, plus ça va être plus on va être en, voilà, on va pas être dans l'amour, on va pas être dans les pensées positives, on va être dans les pensées négatives, et bien plus il va faire chaud, tout simplement. Oui, moi je vous le dis, Fred de l'accent 13, il vous le dit, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, pensée positive. Ouh, alors je suis en train de me choper une crampe. Désolé, désolé. Oh, elle était pas, c'était pas prévenu celle-ci. Désolé, ça bougeait un peu la caméra. C'est la crampe de Fred du Lac sont très en direct. Bon, bref. Allez, vous l'avez compris, vous avez vu, hein, la chaleur ressort par rapport à nos pensées, nos actes, nos sentiments, très important. Allez, l'évolution à venir, là, allez, on va parler du mois d'août. L'évolution à venir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Les anges et les guides. On a deux cartes, tirage de la pyramide. L'amour durable. Eh ben voilà une belle carte. L'amour durable, ça va aller mieux. On va moins souffrir de la chaleur. Voilà, premier message. Donc, l'évolution, amour durable. C'est pas gagné, hein? C'est jamais gagné avec l'amour, mais quand même, là, ça nous montre une bonne évolution. Deuxième carte d'évolution, réponse qui tarde. Ah, donc, des bonnes changements de temps qui arrivent, mais ça tarde, hein? Il fait quand même chaud, il fait encore chaud aujourd'hui, il a fait très très chaud hier, très très chaud cette nuit. Voilà, donc réponse qui tarde, ça montre un peu un retard dans l'évolution. Par rapport à l'amour, à l'apport au temps, par rapport au temps. Allez, on va tirer encore des cartes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? On va voir. On va voir. Réconciliation entre les hommes, entre les êtres humains, avec la planète. Donc ça va aller mieux. Même si vous voyez, encore une fois, regardez réconciliation. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez là-haut. Hop, encore le soleil qui est là. Hein. Donc la chaleur, ce n'est pas fini. Mais ça va être moins corsé. En tout cas. On ne nous parle pas d'intempéries, on ne nous parle pas de gros orages à venir pour le moment. Voilà, donc c'est déjà un bon message. Potentiel exacerbé. Ouh, attention, ça se complique. Bien sûr, au moment où je parle de... au moment où je parle d'orage et tout ça, on nous sort, ils nous sortent la carte potentiel exacerbé. Ça montre que, attention, c'est en train, les nerfs sont en train de bouger. Tout est en train de bouger, le temps aussi. Et attention, faut pas, j'allais dire, faut pas jouer les imbéciles en parlant poliment. Faut pas faire les imbéciles ou autre mot. Vous avez compris. Parce que tout se joue maintenant pour le futur, pour les jours qui arrivent, pour les semaines qui arrivent, mais pour les mois et les années. Donc, très important. Il faut pas faire les imbéciles. Voilà, pour les décideurs, bien prendre les bonnes décisions. Et donner de l'amour à tous. Voilà pour l'évolution. Donc quand même un point un peu un bémol, hein, un bémol. C'est ce que je ressentais quand même avec des orages qui arrivent. Attention, des orages qui peuvent être violents, mais c'est pas pour tout de suite. C'est à moins que ça soit la réponse à la question avec la dernière carte. La dernière carte,
Allez, on y va, la dernière carte. C'est quoi cette dernière carte? Un choix à faire, encore une fois. Bah, dis donc, c'est le message, vraiment le message du jour avec le choix, les chemins, le passé, le karma, voilà, tout ça, hein, les vies antérieures. Ça montre que, attention, on n'a plus le droit à l'erreur. Ami décideur, ami. Mais il n'y a pas que les décideurs, hein. On est tous liés, je vous le redis, on est tous liés par rapport aux pensées, par rapport aux choix, aux actes qu'on fait avec les amis, la famille, avec les pensées, souvent les pensées, notre état d'âme aussi, hein, comme on dit. Pensons tous positivement, la positive attitude, comment ça va bien. Voilà, on ne dit pas comment ça va, comment tu vas, on dit comment ça va bien chez Fred du Lac 113. Choix à faire. Donc le choix à faire, réponse à la question, on va avoir un choix à faire, mais est-ce qu'il va être bon ce choix? Allez, tiens, je vais tirer encore quelques cartes. Choix à faire, une rencontre forte. Attention, rencontre forte, ça montre que ça va être un peu compliqué, hein. Ça va être, voilà, on peut passer du bon au moins bon d'un seul coup. Donc on parle toujours du temps, hein. Donc là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de sentiment amoureux. C'est au niveau du temps, rencontre forte, ça peut être les rencontres entre le chaud, le froid. C'est un peu ce que nous montre la carte, avec le chaud ici de la personne qui est à droite, et du froid, du plus frais, hein, qui est ici, avec la personne qui est à gauche. Voilà, donc un peu, hein, un peu toujours en contrebalance. Allez, on va faire encore une carte pour voir ce que ça donne. Alors que l'encens, il faut qu'il reste ici, l'encens. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? Besoin d'ancrage. Ah oui. Oui. On a besoin d'ancrage. Se relier un peu à la nature. Vous voyez la carte? Regardez papa, regardez papa. Regardez pas ce qui est écrit. Regardez la carte. Vous avez vu? La nature. On a besoin d'ancrage. Se relier à la nature. Il n'y a pas. Mais moi, je rajouterais si, il y a les fleurs. Je rajouterais les animaux. Voilà. Pas de faire du mal aux animaux. Pensez aux animaux comme des êtres vivants, comme les humains. Et à la nature aussi, hein. À la nature, on s'occupe des plantes quand il fait chaud, pas que de nous. Besoin d'ancrage, on a besoin de ce retour un peu en arrière. J'en parlais, je leur fais un petit coucou à des amis hier. On en parlait ensemble que, voilà, un peu, ils vont rigoler. Enfin, il n'y a rien de marrant, mais voilà, on s'éparpille un peu. L'ancrage, il n'y est plus trop, hein, dans les familles, entre les enfants, les parents, les amis même. Voilà, si ça y est encore. Tout peut être encore, c'est pas peine perdue. C'est ce que je leur disais. Pour moi, c'est pas peine perdue. On peut y arriver, mais tout ça passe par du positif et par remettre un peu d'ancrage, se relier à la nature, aux animaux et à la forêt. Et lâcher prise. Waouh, la belle carte. Regardez ce lâcher prise. Alors, ce qui est bien, je vais finir sur cette carte. C'est aussi ma main qui tremble. Moi, je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je fais beaucoup pour vous, hein, pour la santé, peu importe. On s'en fout de Fred du Lac 113. Moi, je fais pour vous. Le lâcher prise, je finirai sur cette carte que je vais mettre ici. Ici, là, très important de lâcher prise. Vous pouvez prier, vous pouvez aimer, vous pouvez positiver, mais à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut penser à vous et vous dire que bah, maintenant, c'est un peu. On va faire autre chose. Je vais penser un peu à moi, je vais me reposer. Voilà, vous voyez les sentiments qu'il faut avoir. Le lâcher prise, très important. Si vous donnez, donnez toujours sans vous reposer, ben vous allez avoir de moins en moins d'énergie. Vous allez fatiguer, votre corps va fatiguer, vous allez avoir des symptômes. Après, vous allez fatiguer et vous n'allez plus pouvoir aider. Et quand on ne peut plus aider, ben il faut demander à quelqu'un qui vous aide. Mais si la personne d'à côté est aussi dans le même cas que vous, et bien après, on peut plus s'entraider. Et pourtant, la base de l'humanité, c'est l'entraide. Et l'amour. Oh, comme c'est bien dit, Fred du Lac 73. Bon, vous avez vu, on a fait un petit tirage sur le temps, donc le temps du mois d'août. Donc, pas trop d'orages quand même. Hein. Bon, si quelques orages. Moi, je vous prédis quelques orages à venir. Donc, méfiez-vous quand même. Hein. Méfiez-vous, méfiez-vous. On a besoin d'eau. Hein. Tout le monde a besoin d'eau. Mais ça va être quand même limité. On va avoir encore un mois d'août assez. Voilà, c'est un beau mois d'août, hein, avec moins de chaleur. Voilà. Pensée positive, toujours. Allez, on va finir avec un petit tirage pour tous. Je voulais faire ça à la fin. Un tirage complet pour vous tous, voilà, pour nous tous, pour tous ceux qui regardent la vidéo. Tiens, un petit message pour savoir ce que les anges et les guides peuvent nous dire maintenant sur la vie en général.
Avant ça, je passe un petit coucou à tous ceux, hein, ben, tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui ne me connaissent pas, merci de vous abonner à Fred Dulac 113 YouTube, Fred Dulac 113 Medium YouTube. Attention, faites attention, il y en a qui se font passer pour moi, mais bon, il n'y en a qu'un comme moi de toute façon. Fred Dulac 113 Medium YouTube, Fred Dulac 113 Medium TikTok, Instagram, Facebook et autres, tous les réseaux, je suis partout. Je vous donnerai le téléphone pour ceux qui demandent. Je reviendrai à ça dans une prochaine vidéo. Ce week-end, donc samedi soir, pas de live. Désolé, désolé, vraiment, j'avais prévu un live. Du coup, je suis obligé d'annuler. Désolé, on le repousse, je pense, à dimanche soir. On verra si je suis en forme. Si je suis en forme dimanche soir. En fait, samedi, je dois aller voir une personne qui a besoin de moi. Et voilà, donc je ne peux pas être disponible, mais je serai de retour dimanche. Donc on verra, à voir. Je suis en train de voir avec Fanny aussi si elle est disponible, si elle veut bien. Avec Laura aussi, si elle est là. Voilà, pour faire un live dimanche soir YouTube. Voilà, d'autres vidéos arrivent. La semaine prochaine va être aussi pas trop de vidéos. Je vais essayer d'en faire une ou deux. Mais je continue, surtout, surtout dans la santé, dans l'amélioration de la santé pour vous tous. C'est le but. Et je continue à répondre à vous par mail. Dès que tout ça s'est un peu calmé, voilà, que j'ai un peu plus de temps, eh bien, je vous donnerai le numéro de téléphone. Pour des rendez-vous par téléphone, bien entendu. Maintenant, je vais aller de moins en moins vers les emails, vers les messages. Ça va me prendre moins de temps de vous répondre par message. On va plus converser directement, directement au téléphone. La visio, je ne sais pas, on verra, mais déjà par téléphone, voilà, ça sera déjà beaucoup mieux. Et dans l'avenir, voilà, on va voir, il y a toutes les évolutions sont possibles, mais le but est de vous rencontrer directement, bien sûr, de vous aider en direct, puisque au niveau de la santé, au niveau des cartes, au niveau de la voyance, de la médiumnité ou de la guérison, eh bien, c'est toujours mieux en contact direct. Voilà. Je me suis rendu compte avec le temps, maintenant, je commence à avoir l'habitude que à distance, ça le fait. Hein, attention, ça fait quand même, ça fait beaucoup, ça fonctionne. Mais en contact direct, c'est quand même beaucoup mieux et j'arrive mieux à cerner la situation, à cerner les personnalités. Voilà, en contact direct, c'est mieux et pour la guérison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, j'ai fini. Ok, allez, on y va. Donc, un petit dernier message. Je recouvrirai avec l'oracle des animaux. Donc, le message du soir. Du soir, du jour, puisque ça, je vais la mettre tout de suite en ligne. Là, on est le matin, mais je vais la mettre en ligne. Ce sera le message du jour, hein, enfin, du week-end qui arrive. On va faire le message du week-end pour tous ceux qui regardent la vidéo. Je suis un peu embêté parce qu'en fait, j'ai un guide qui est là et qui dit quand même, qui vient me voir et qui dit quand même, méfiez-vous du temps. Donc, attention quand même aux orages. Voilà, c'est pas trop ressorti là dans le jeu parce que bon, dans l'oracle, dans ce qu'on a fait, parce que je sais pas qui c'est cette personne qui vient là. C'est bizarre. Enfin bref, j'ai de plus en plus de manifestations, hein, mais ça c'est pas important. Il me prévient quand même, il me demande de vous dire de attention quand même aux orages, des gros gros orages localisés. Hein. C'est ce qu'il me dit. Je suis obligé de vous le dire. On n'a pas vu ça dans les cartes, mais je vous le dis quand même. Donc. Faites attention. Allez, on y va. Que veulent nous dire les anges et les guides par rapport à voilà, la continuité du mois d'août là? Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Allez, avec l'oracle bleu, bien sûr. Le guide, les nouvelles. Donc ça montre que on est quand même dans une bonne période. Hein. On ne nous parle plus de masques, on ne nous parle plus de vagues, on ne nous parle plus de tout ça. On est quand même bien dans une bonne période. J'avais vu dans les précédentes vidéos un peu pas une dégradation, mais voilà, un petit coup de mou au mois d'août. Pour l'instant, il n'y est pas, on est bien, hein, donc tant mieux pour tous ceux qui sont en vacances et pour tous ceux qui travaillent. On est quand même bien là dans le mois d'août, même s'il fait chaud. Voilà, on est quand même dans une énergie positive, une vie positive, hein, puisqu'on vit quand même bien, hein, on a retrouvé un peu notre vie d'avant. Donc c'est quand même pas mal, c'est le message là qui ressort. Et le message là qu'ils veulent nous faire comprendre avec le commerce, parce qu'ils me parlent en même temps. Vous avez l'habitude, le commerce, la sérénité, ici, les deux cartes, le commerce, la sérénité. Il ne faut pas perdre le fil du commerce, il ne faut pas perdre cette relation qu'on a entre les humains, ça ressort dans la coupe. Hein. Il faut toujours voilà, avoir le matériel chez soi, c'est bien, de rester chez soi, c'est bien, mais on a tous besoin de la communication entre tous, sinon, à un moment donné, il va y avoir des blocages et on va avoir des situations de mal-être.
les nouvelles maladies qui peuvent arriver hein, par rapport à ça, il faut le savoir. Donc, ne perdez jamais cette communication entre tous. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut toujours vivre avec tout le monde, mais avoir la communication entre tous, c'est très très important. Ce commerce sans argent, je ne parle jamais d'argent, ce commerce, cet échange d'idées, échange de pensées, on est tous différents, si on apprend toujours des uns des autres. Allons, on va faire comme un livre. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? La convoitise, voilà, toujours ces sentiments. Je ferai une vidéo particulière sur la jalousie hein, qui est maintenant bien ancrée dans notre société. La convoitise, ça fait aussi partie de la jalousie, tout ça. Hein. On aimerait avoir ce que l'autre a, les autres aimeraient avoir ce que nous on a. C'est normal, c'est un sentiment normal, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui prenne le dessus. Avec l'argent, tout ça, les sentiments premiers, c'est l'amour. On doit être content pour les autres. Quand les autres ont quelque chose que nous on veut, ben on doit être content pour eux. Quand quelqu'un part en vacances loin, dans les îles, eh bien on doit être content pour lui. On doit être content pour les autres comme les autres doivent être contents pour nous. Voilà le message. Pas avoir de blocage. Vous avez vu l'automne qui ressort. Je parle en même temps, c'est fait exprès, hein. Quand je tire les cartes, je parle comme ça nous montre un peu un livre, comme un livre. Donc pas avoir des sentiments de jalousie, de la convoitise, pas avoir de blocage avec l'automne. On peut, tout le monde a des blocages, c'est bien normal, la vie, il y a des hauts, il y a des bas pour tous, mais il ne faut pas rester sur les blocages, c'est vraiment le message. Voilà, il faut toujours aller dans les changements, toujours croire aux changements par les pensées positives, les changements sont là, donc toujours croire à ces changements par les pensées, et les pensées c'est bien, mais il y a les actes, on fait l'effort de faire et d'avancer. On reste pas coincé chez soi. On reste pas coincé. Je sais pas si oui, si ça se dit coincé. Des fois, j'utilise des mots qu'il y en a qui connaissent peut-être pas. Et on a du mal. Hein. Il a du mal à faire la netteté sur le désert. Hein. Et on n'aime pas cette carte, le désert. On reste pas coincé. Il veut ou pas? Là, voilà le désert. On reste pas coincé dans ses idées négatives. On reste pas enfermé chez soi avec ses idées négatives, ça sert à rien. Les idées négatives, ça vous apportera jamais rien. Changez de pensée et ça sera toujours, toujours positif, toujours dans l'abondance, toujours, voilà, toujours dans le mieux quoi. Toujours penser dans le positif. Les arts qui montrent qu'on a besoin des uns et des autres. Les arts, ça, comment dire? Ça, allez, aidez-moi, vous qui êtes devant votre télé, j'allais dire, non, pas la télé, l'ordinateur. Aussi, bon, peut-être qu'il y en a qui font sur la télé. En tout cas, les arts montrent qu'on est tous connectés les uns aux autres. Voilà, et ils disent aussi les arts par rapport à la vie actuelle. Il ne faut pas hésiter de vous ressourcer dans ce que vous aimez bien, la musique. La peinture, les balades, même être entre amis simplement, entre familles. Mais les arts, c'est important, hein, la lecture est importante, la musique est importante. La musique élève l'âme. N'écoutez pas enfin, si vous aimez la musique un peu, voilà, un peu urbaine ou autre, vous pouvez, hein, je ne juge point, mais toujours écouter une musique qui élève l'âme, c'est très très important, ça vous redonne de l'énergie. Comme ceux qui font du dessin, voilà, ça remonte le taux vibratoire. Toujours très très important. Voilà. Et on va bientôt finir. Il y a la gestation qu'elle a, parce que bien entendu, on ne peut pas avoir tout tout de suite et avec tout le monde. Donc on est obligé d'attendre que les situations se débloquent. Alors, avec nos pensées, nos actes, eh bien, le futur se met en place. Je fais un petit aparté, coucou un monsieur que j'aime bien, Philippe Guimand, qui parle de ça, du passé, du présent, du futur. Je parle souvent de lui, allez voir. Hein. Philippe Guimand, c'est un chercheur CNRS qui a prouvé, hein, donc il a prouvé des choses sur le passé, le présent et le futur. Et tout doit se mettre en route par rapport aux pensées, par rapport aux actes. Donc il faut savoir attendre, patienter. Gestation, c'est ça que ça montre. Il faut toujours patienter. Voilà. Des fois, ça arrive rapidement, mais quelquefois, il y a besoin d'attente. Et cette année en particulier, oui, en particulier, eh bien, je trouve, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y a plus d'attente que dans les autres années. Le temps s'accélère pour moi avec plus d'attente au niveau des mises en place dans le temps.
Donc, tout ce qui est prédiction, tout ça, il y a toujours un petit décalage. Mais il faut toujours positiver. Et ça ressort dans le tirage. On va finir avec une dernière carte pour l'oracle bleu. Et ça sera la dernière carte superbe. Dernière carte avec l'espoir. Toujours garder l'espoir. Sans espoir, ben, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sans espoir, on sera toujours négatif. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Après, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. L'espoir n'y est plus. Qu'avec l'espoir, eh bien, on sort de toutes les situations. Voilà le beau message de l'oracle bleu, des anges et des guides. Je voulais recouvrir avec une carte ou deux, allez, deux cartes, deux petits derniers messages par rapport aux animaux. Hop, allez, on va prendre les deux de dessus. Ça se passe comme ça chez Fred du Lac 73 avec le lézard. Je regarde parce que j'ai du mal à voir le lézard par rapport à la lumière. Donc, détachement, régénération, pensée créative, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Vous avez vu, hein, ça ressort. Hein. Vous avez vu le message, régénération, pensée créative. Toujours, il nous parle des pensées. Le détachement, j'en ai pas trop parlé, mais si, avec le lâcher prise, il faut savoir aussi avoir du détachement par rapport aux situations. Penser à soi. Voilà. Et concrétiser ses rêves. Pas concocter ni congratuler, mais concrétiser ses rêves. Voilà, et un dernier message du jour. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et se positionner clairement. Vous voyez, avec le corbeau là, le corbeau, il y en a qui n'aiment pas le corbeau. Moi, j'aime bien le corbeau, ça ne me dérange pas. Justice, hein. Justice divine, je vous le rappelle, je vous le répète. La justice divine qui est toujours là, attention à vos actes, attention à vos pensées, puisque si vous pensez, si vous faites des actes négatifs, à un moment donné, vous aurez vous-même la justice. Quelquefois, c'est plusieurs, même dizaines d'années plus tard que vous avez la justice divine. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? Mais quand on a fait un peu des bêtises, des pensées négatives, du négatif dans sa vie au départ, et eh bien après, on a la justice divine qui arrive. Toujours s'exprimer et se positionner clairement. Oui, on a tous des avis, on a tous des positions. Après, faut être clair, mais il faut toujours être, je dirais, dans la compréhension de l'autre. On est tous différents. Donc c'est important d'écouter l'autre et c'est important de prendre l'avis de tous. Voilà. Ce qu'ils voulaient nous dire, les anges et les guides, pour cette vidéo. Allez, hop, on va finir avec deux cartes du chamanisme, l'oracle du chamanisme. On allait me dire, Fred, fallait pas dire ça, j'ai pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ça. Bon, ben ça va, non, j'ai pas dit. J'ai bien parlé aujourd'hui, je trouve. Bien, bien parlé. Demander pardon et reconnaître nos erreurs. Oui, exact, 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 exact. J'ai oublié d'y dire, c'est très, très important. Exact, très, très bien, très bien. On fait tous des erreurs et on a la justice divine, mais on a le droit à l'erreur aussi. Donc voilà, faut demander pardon, demander pardon. On peut faire des erreurs, hein. Après, on fait des erreurs, on demande pardon et on fait en sorte que notre comportement et nos actes aille dans le bon sens. Voilà. Très, très bonne remarque, oui. Allez, on y va pour les dernières cartes. Je vais remettre la musique positive, hein, la musique du jour. La musique du jour, c'était quoi? Je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. C'était High Fidelity, oui, haute fidélité avec Fred du Lac 113. Oui, vous m'êtes toutes fidèles. Vous êtes tous fidèles à Fred du Lac 113, comme moi, je suis fidèle à vous, hein, je réponds à tous. Faut un peu patienter là, mais je réponds à tous. Donc merci, merci, merci. Si vous voulez me contacter, freddelac113gmx.fr, c'est mon mail pour des questions de voyance, médiumnité, l'amélioration à la guérison. Je suis là pour vous, je fais ça beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas pour vous, vos proches, votre famille. Contactez-moi bien par mail. Hein. Il y en a qui me contactent sur les réseaux, je ne peux pas tout gérer. Les réseaux, voilà, on me contacte sur Insta, on me contacte sur Facebook, on me contacte sur TikTok. Donc restez bien sur mon mail, s'il vous plaît. Bientôt le téléphone qui arrive, je l'ai, mais je ne peux pas vous le donner tout de suite. Je finis de répondre à tous. J'aide tout le monde dans la guérison, dans l'amélioration de la guérison. J'ai rien oublié. N'oubliez pas de me mettre, hein, si beaucoup m'écrivent, n'oubliez pas de me mettre vos prénoms, nom et votre pseudo.
que vous avez sur les réseaux, sinon je mets du temps à vous retrouver. Voilà, j'ai rien oublié, non, impeccable. J'ai l'améthyste ici, pour l'amour. Hop, là, je vais la mettre là, l'améthyste avec l'ange qui est là pour l'amour. Aussi le pendentif qui aide au retour, à l'avancée, à l'amélioration au niveau du cœur. Ah, ça vous aide à aller vers les autres aussi, hein, le pendentif Thor, grenat, almandin. Voilà, de couleur violette, très bon. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est très beau. Ça, vous le portez toujours sur vous, ça va vous aider au niveau du cœur avec cet orgone aussi. Coucou Julien, Natural Mystic Shop, je vous mettrai le lien en description. J'ai fini. Merci, merci à tous. Prochaine vidéo bientôt. Live dimanche soir, peut-être sur YouTube. Je vous redirai ça. Et je vous embrasse tous. Pensez positive, restez au frais. Attention aux orages. Et je vous embrasse tous. N'oubliez pas, la pensée positive est très, très importante. C'est pratiquement ce qu'il y a de plus important en ce moment. D'accord ? Pensez positive et contactez Frédéric 113 si besoin. Ciao, ciao. Je vous embrasse. On finit avec les deux cartes de l'oracle du chamanisme.